Chaque année, 100 morts sont à déplorer du fait des effets du monoxyde de carbone. C'est pourquoi il faut impérativement connaître son ennemi pour mieux le maîtriser. La première des choses est de connaître les symptômes liés à une intoxication au monoxyde de carbone. Ça se présente sous forme de maux de tête, de nausées, de vomissements, voire de perte de connaissance, et surtout le fait que plusieurs personnes dans une même pièce puissent en être atteintes. Qu'est-ce que le monoxyde de carbone? Il s'agit d'un gaz qui est particulièrement sournois, car il est inodore, incolore et invisible. Pour s'en prémunir, trois actions très simples. La première, faire entretenir vos installations de chauffage, vos cuisinières et vos cheminées. La deuxième action à entreprendre est d'aérer quotidiennement au moins 10 minutes le logement que vous occupez. Et enfin, de connaître les symptômes que j'ai cités précédemment, de façon à pouvoir les détecter et appeler rapidement les secours.